La cage thoracique représente le squelette osteocartilagineux limitant la cavité thoracique. Elle est constituée par le sternum en avant, la colonne vertébrale en arrière et latéralement les côtes et le cartilage costal. Ces pièces osseuses sont solidarisées entre elles par des articulations et des muscles, notamment les muscles intercostaux, réunissant latéralement les côtes et les cartilages costaux, l'ensemble constituant le gris costal. Le thorax a la forme d'un tronc de cône, à base inférieure, un peu aplatie dans le sens antéro-postérieur, devenant grossièrement cylindrique dans la partie basse. En fait, la configuration varie avec les sujets. Il est étroit chez le longiligne, au contraire, large chez le sujet briveligne. On peut décrire à la cage thoracique trois faces. Une face antérieure ou costo-chondro-sternale, donc une face costo-chondro-sternale, une face latérale, costale, et la face postérieure, vertébro-costale. Donc la face postérieure qui est vertébro-costale. On a également deux ouvertures. Une ouverture supérieure ou l'orifice supérieur de thorax, limité en arrière par la première vertèbre thoracique, latéralement par la première côte et en avant par le manubrium sternal. C'est l'orifice supérieur de thorax. L'orifice inférieur de thorax, il est grand et extensible. Cette ouverture est fermée par le diaphragme. L'ouverture supérieure de thorax permet le passage des éléments vasculonerveux destinés au cou et à la tête et aux membres supérieurs. On a également le dent pleural, c'est-à-dire l'apex pulmonaire qui fait saillir au-dessous de l'orifice supérieur de thorax. L'orifice inférieur de thorax est limité en avant par le processus xiphoïde de sternum, en arrière par la 12e vertèbre thoracique et latéralement le rebord chondrocostal inférieur. Cet orifice est fermé par une cloison musculo-aponevrotique qui est le diaphragme. Et ce diaphragme est percé par certains nombres d'orifices permettant le passage des éléments vasculonerveux et de l'œsophage. Maintenant, on va commencer par la description de sternum. Le sternum, c'est un os plat, impair et symétrique. Il est situé à la partie antérieure et médiane de thorax. Il est composé de trois pièces osseuses. Le manubrium sternal, qui représente la partie supérieure, le corps du sternum et le processus xiphoïde, en bas. La surface supérieure du manubrium se prolonge latéralement et possède une incisure supérieure, c'est l'incisure jugulaire, située sur la ligne médiane de chaque côté de cette incisure. Il existe une grande fosse ovale ici qui correspond à la surface articulaire avec la clavicule. Juste en dessous de cette fosse, sur le bord latéral du manubrium, se trouve la facette articulaire ou facette d'insertion du premier cartilage
costale. À la partie la plus basse de l'extrémité latérale, à ce niveau-là, se trouve une demi-facette qui correspond à la moitié supérieure de l'extrémité antérieure du deuxième cartilage costal. On voit que le deuxième cartilage costal, il s'insère ici au niveau de l'union, au niveau de cette articulation soudée entre le manubrium sternal et le corps de sternum. Donc on a deux demi-facettes, une demi-facette supérieure au niveau du manubrium sternal et une demi-facette inférieure au niveau du corps de sternum. La face antérieure du corps de sternum est souvent marquée par des stries transverses qui représentent les lignes de fusion entre les éléments segmentaires appelés sternèbres et qui correspondent au développement embryologique du sternum. Les bords latéraux du corps de sternum possèdent des surfaces, c'est des incisures costales qui reçoivent les cartilages costaux. Enfin, on a le processus xiphoïde, c'est la partie la plus petite du sternum. Sa forme est variable, il peut être large, pointu, étroite, bifide, parfois perforé. Chez l'enfant, cette partie est cartilagineuse, il commence à s'ossifier chez l'adulte. Sur chaque côté de ces rebords latéraux supérieurs se trouve une demi-facette pour l'articulation avec l'extrémité inférieure du septième cartilage costal. Alors la position succutanée de sternum en fait de lui un site préférentiel pour le prélèvement de la moelle osseuse. Un trocar doit traverser l'épaisse corticale antérieure du sternum et ponctionne dans la cavité médulaire sternale, donc la moelle osseuse peut être aspirée. L'analyse de cette ponction au microscope va aider les cliniciens à faire le diagnostic de certaines maladies sanguines, notamment les leucémies. Alors concernant les côtes, ce sont des os plats, pairs, très allongés, en forme d'arc. On a 12 paires de côtes, ils sont répartis en 3 groupes. Les 7 premières côtes, donc de la première côte jusqu'au 7e côte, sont des vraies côtes, aux côtes sternales, parce qu'elles s'articulent avec le sternum par l'intermédiaire d'un cartilage costal. Les trois suivantes, c'est-à-dire 8e, 9e et 10e côte, sont des fausses côtes. Ils ne s'articulent avec le sternum que par le 7e cartilage costal. Voilà donc le 7e cartilage costal et on a sur lequel se terminent les trois cartilages costaux sous-jacents. Donc sur le cartilage du 7e côte, on a le cartilage du 8e, 9e et 10e côte qui vont s'articuler avec le sternum via ce 7e cartilage de la 7e côte. Ensuite, les deux dernières côtes sont les côtes flottantes, 11e et 12e côte, n'ont aucun contact avec le sternum. Elles ont leur extrémité antérieure libre. Maintenant, on va faire la description d'une côte. Une côte typique a une forme courbée avec deux extrémités, une extrémité postérieure, une extrémité antérieure. L'extrémité antérieure se prolonge par le cartilage costal et l'extrémité postérieure s'articule avec la colonne vertébrale et caractérisée par une tête, un col et
Un tubercule. La tête a une forme allongée et présente habituellement deux surfaces articulaires séparées par une crête. Donc deux surfaces articulaires séparées par une crête. Une petite surface supérieure s'articule avec la facette costale inférieure située sur le corps de la vertèbre sous-jacente et la facette articulaire inférieure s'articule avec la facette costale supérieure de la vertèbre correspondante. Donc la tête s'articule avec deux vertèbres. Le col est une zone courte et rétrécie qui sépare la tête du tubercule. Le tubercule, ici, est situé en arrière de la jonction entre le col et le corps de la côte. Il possède une facette articulaire avec le processus transverse de la vertèbre correspondante. Le corps de la côte est généralement fin et plat avec deux surfaces, une surface interne et une surface externe. Le bord supérieur est arrondi et lisse, alors que le bord inférieur est plus saillant et tranchant. Le corps de la côte s'incurve en avant, juste en dehors du tubercule, au niveau d'un site appelé l'angle. Le corps a aussi une petite torsion autour de son axe longitudinal, de telle sorte que la face externe de la partie antérieure du corps de la côte regarde un peu plus vers le haut que la partie postérieure. Après l'analyse d'une côte type, il y a certaines particularités concernant notamment la première côte. Donc voici la première côte. C'est la plus large et la plus courte et il est aplati de haut en bas. Elle présente également une tête, le col, tubercule, le corps et une extrémité antérieure qui se continue avec le cartilage costal. Alors pour détailler les différents éléments particuliers de cette première côte, on va essayer de zoomer pour mieux voir les éléments anatomiques. Alors on voit que le corps est court et il ne présente pas d'angle et il devient plus large vers l'avant. La tête s'articule seulement avec le corps de la première vertèbre thoracique et ne possède donc qu'une surface articulaire. Comme les autres côtes, le tubercule a une facette, voici le tubercule, il a une facette articulaire avec le processus transversaire. La surface supérieure de la côte est caractérisée par la présence d'un tubercule distinct. Voici le tubercule ici qu'on appelle le tubercule de Scalène antérieur, ou encore appelé tubercule du Lisfranc. Ce tubercule sépare deux sillons lisses croisant la côte approximativement au milieu. Donc deux sillons, un sillon antérieur et un sillon postérieur. Le sillon antérieur correspond au passage de la veine subclavière et le sillon postérieur correspond à celui de l'artère subclavière. Il existe 12 vertèbres thoraciques qui sont caractérisées par leur articulation avec les côtes. Une vertèbre thoracique typique est une vertèbre qui est composée d'un corps vertébral en avant avec un arc postérieur. Le corps vertébral est antérieur, volumineux et grossièrement cylindrique.
Il présente deux faces, une face supérieure et une face inférieure. L'arc postérieur est situé en arrière du corps vertébral. Il comporte plusieurs segments. Les pédicules implantés en regard de la moitié supérieure du corps et qui contribuent à limiter un trou, si le trou vertébral. Ensuite, on a les lames. Donc voilà les lames qui sont quadrilatères, obliques en bas, en arrière et en dedans, et convergent et s'y unissant en arrière sur la ligne médiane. Les processus articulaires supérieurs, on a deux. Voilà, on les voit sur une vue de profil. Et deux processus articulaires inférieurs. Voilà, les deux. Et on remarque que les facettes articulaires des processus articulaires supérieurs regardent directement vers l'arrière. Voici l'avant, voici l'arrière. Et les processus articulaires inférieurs, leurs facettes articulaires, regardent vers l'avant. Ensuite, on a des processus transverses, ils sont au nombre de deux par vertèbre, implantés à l'union donc de lame et pédicule, et présentant une surface articulaire avec le tubercule costal. Ensuite, on a le processus épineux, un seul processus épineux par vertèbre, implanté à l'union des deux lames. Il est très oblique en bas et en arrière, comme on voit ici sur cette vue de profil. Processus épineux. Alors maintenant, on va voir les articulations de thorax. Les articulations de thorax, on peut les diviser en deux groupes. Un groupe antérieur comportant les articulations propres du sternum, l'articulation sterno-costo-claviculaire, les articulations sterno-costales, l'articulation interchondrale et chondro-costale. Et un groupe postérieur comportant les articulations propres à la colonne vertébrale et les articulations costo-vertébrales. Alors, on va commencer par les articulations sternales. Les trois segments de sternum, c'est-à-dire manubrium, corps et xiphoïde, appendice xiphoïde, sont articulés entre eux par deux articulations. On a l'articulation manubrio-sternale, qui est cartilagineuse, solidarisant manubrium et corps de sternum, et il détermine l'angle sternal. Ensuite, on a l'articulation xipho-sternale, qui est une synchondrose, qui est exclusivement cartilagineuse et qui va s'ossifier avec l'âge et qui va solidariser le corps du sternum et processus xiphoïde. Ensuite, on a les articulations sterno-costales. Ce sont des articulations planes solidarisant chacun des sept premiers cartilages costaux au sternum. Donc voici le premier cartilage costal, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, qui vont solidariser les sept premières côtes par un cartilage au sternum. Ensuite, on a les articulations interchondrales, c'est-à-dire les huitième, neuvième et dixième cartilages se termine à la face inférieure du cartilage sous-jacent. Donc, ainsi, le septième cartilage reçoit les cartilages des trois côtes sous-jacentes ou les fausses côtes. Ensuite, on a les articulations costo-chondrales. Ce sont des articulations fibreuses unissant les facettes
costale et chondrale. Savoir compter les côtes est important, car les différentes côtes sont des repères palpables pour situer les structures profondes. Alors, pour déterminer le numéro de chaque côte, il faut d'abord palper l'incisure jugulaire au bord supérieur de manubrium sternal et plus bas, on perçoit un relief. Ce relief correspond à l'angle sternal et qui correspond à l'articulation entre le manubrium et le corps du sternum. Et le cartilage costal de deuxième côte s'articule avec le sternum à ce niveau. On peut ainsi identifier la deuxième côte. On compte ensuite les côtes en poursuivant la palpation en bas et en dehors. Après un traumatisme thoracique sévère, des côtes peuvent être cassées en deux ou plusieurs endroits. Si plusieurs côtes sont fracturées, il peut exister un segment libre de la paroi thoracique que l'on nomme un volet costal. Quand le patient prend une inspiration profonde, le volet costal bouge dans une direction opposée à la paroi thoracique et empêche l'expansion totale du poumon et crée un mouvement paradoxal. Si une grande partie de la paroi est atteinte, la ventilation peut être insuffisante et le patient peut nécessiter une ventilation assistée jusqu'à ce que les côtes soient consolidées. Alors maintenant, on va voir les articulations de groupe postérieur. Ce sont les articulations costo-transversaires et les articulations costo-corporeales ou articulations de la tête costale. Les articulations costo-transversaires, comme ici par exemple, costo-transversaires, ce sont des articulations synoviales situées entre le tubercule, donc le tubercule de la côte, et le processus transverse de la vertèbre correspondante. Maintenant, on va voir l'articulation avec la tête de la côte et les vertèbres thoraciques. Et enfin, on a l'articulation entre la tête de la côte et les vertèbres thoraciques. Alors, les deux facettes de la tête de la côte s'articulent avec la facette supérieure de corps de la vertèbre correspondante et avec la facette inférieure de corps de la vertèbre sous-jacente.